Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va regarder des cas particuliers, des rapports trigonométriques. On pourrait ne pas les regarder ensemble, mais ici, l'avantage, c'est qu'on pourrait sauver un peu de temps si on parle du sinus de 30 degrés et éventuellement de la tangente de 45 degrés pour trouver un côté si on a ces angles-là et qu'on fait ces rapports-là. Mais on pourrait sauver un peu de temps. De là, mon intervention aujourd'hui à ce sujet-là. Premier cas particulier, le sinus de 30 degrés. Dans un triangle rectangle, la mesure du côté opposé à un angle de 30 degrés est égale à la moitié de l'hypoténuse. Effectivement, si vous prenez votre calculatrice et que vous calculez sin de 30 degrés, vous allez remarquer que ça fait une valeur quand même assez cute de 0,5. Mais 0,5, c'est pas mal une demi, et une demi, c'est la moitié de quelque chose. De là la propriété qu'on vient d'énoncer. Question d'illustrer, disons qu'on a un triangle ABC et on a ici l'angle de 30 degrés et on pourrait avoir, disons, l'hypoténuse de 12 mètres. Dans le cas où on a ça et je te demande le côté AB, tu pourrais aller faire le travail qu'on vient de voir ensemble dans la vidéo précédente et utiliser un des trois rapports trigonométriques pour aller trouver le côté AB. Donc, prendre sinus, cosinus ou tangente, faire le travail algébrique pour trouver la valeur du côté. Ou, dans ce cas particulier-là, tu te rappelles que le sin de 30 degrés, c'est 0,5. Ce que ça veut dire, on se rappelle que le sinus d'un angle, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Ce que ça veut dire, donc, c'est que le côté en face de 30 degrés, c'est la moitié de l'hypoténuse. L'hypoténuse étant 12 mètres, donc, le côté opposé étant la moitié de l'hypoténuse, la moitié de 12, c'est 6 mètres. Donc, on n'aurait pas à faire le travail ici pour aller trouver la mesure du côté AB avec les rapports trigonométriques. On pourrait tout simplement dire la mesure de AB, comme on a un 30 degrés et que j'utilise le rapport sinus, on pourrait tout simplement dire que c'est la mesure de l'hypoténuse qui est AC divisé par 2. Comme le sinus de 30 degrés donne une demi, donne 0,5. Donc, on ferait tout simplement 12 mètres sur 2. Ça donnerait 6 mètres pour le côté AB. On n'aurait pas à utiliser le rapport trigonométrique sinus et à faire la démarche au complet. Si on n'allume pas et on ne pense pas à ça, bien, on fait la démarche avec le rapport sinus et on arrive au même résultat. Si on se rappelle notre propriété et qu'on voit un angle de 30 degrés, bien, on se rappelle que le côté donc opposé, c'est la moitié de l'hypoténuse. Donc, on peut aller rapidement aller trouver la valeur sans passer par le calcul algébrique avec le rapport sinus. Deuxième propriété. Dans un triangle rectangle, la mesure d'un côté opposé à un angle de 45 degrés est égale à celle du côté adjacent à cet angle. Nous avons donc un triangle rectangle isocèle. Si tu prends ta calculatrice et que tu calcules tangente de 45 degrés, tu constateras que ça fait 1. La tangente étant le côté opposé divisé par le côté adjacent, ça veut dire que quand je fais le rapport entre ces deux valeurs-là, il faut que ça me donne 1. Donc, je dois avoir la même valeur du côté opposé et le côté adjacent pour que ça me donne 1. Donc, exemple, 5 mètres sur 5 mètres, ça fait 1. 2,5 mètres sur 2,5 mètres, ça fait 1. Ça prend les mêmes valeurs pour le côté opposé et le côté adjacent pour que ça donne un rapport de 1. Ce que ça confirme, c'est que j'ai un triangle rectangle isocèle. Donc, par exemple, si j'ai un 45 degrés qui est ici, bien, ça veut dire que le côté opposé et le côté adjacent ont la même valeur. Par exemple, je pourrais avoir 4 mètres ici et 4 mètres ici. La tangente étant donc le côté opposé divisé par le côté adjacent, bien, j'aurais le côté opposé, c'est 4 mètres. Le côté adjacent, c'est 4 mètres. Ça me donne effectivement un rapport de 1. Ici, un peu moins pertinent là, au niveau de la propriété pour trouver une valeur de côté, mais c'est quand même un cas particulier que je voulais rapidement aborder avec vous. Tangente de 45 degrés donne un rapport de 1. Donc, automatiquement, 45 degrés, ça le dit, on est dans un triangle rectangle isocèle. Donc, le côté opposé et le côté adjacent à l'angle en question
donne 1 à tout coup. Donc voilà pour ce qui est des deux cas particuliers des rapports trigonométriques.